Et bonjour, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Il fallait absolument que je vous montre le colis que je viens de recevoir. Tadam, 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 tadam. Un énorme colis ce matin. Et donc je me suis dit que j'allais partager eh bien, la découverte, l'ouverture du carton avec vous. Petit disclaimer, je suis un peu paumée avec les nouvelles réglementations en termes d'influenceurs. Là, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut écrire, pas écrire. Du coup, je vais vous le dire de vive voix parce que j'ai peur de me gourer. J'ai souvent travaillé avec Smala, anciennement il était plusieurs fois, qui est donc un site de revente de vêtements d'occasion, mais des vêtements pépites, genre qui sont trop bien sélectionnés, trop bien classés, à des prix vraiment très très attractifs. Tout ça pour dire que cette fois-ci, eh bien, ils m'ont envoyé un bon d'achat et je partage ça avec vous sur YouTube, mais ça n'a rien à voir avec une collaboration qui, elle, aura lieu sur Instagram. Collaboration puisque je ne suis pas rémunérée, mais le produit m'a été offert. Bref, je ne sais plus, je ne sais pas trop les termes adaptés, adéquats et qui sont demandés. Mais même si c'est sur Instagram, je voulais partager ça avec la team YouTube, you know. Donc c'est parti, on va ouvrir ça et je vais découvrir l'ensemble des petites pépites. Et pendant que je galère à ouvrir, eh bien, je vous explique un peu. J'ai sélectionné pas mal d'articles pour Oli et quelques trucs pour Léo normalement. Je galère vraiment à ouvrir les cartons. Je suis une calamité dans ce domaine. Voilà, on arrache tout comme ça au moins. C'est plus pratique. Et normalement, à l'intérieur, nous avons du Zara, du Jacadi, du Boutchou, du Cyrillus, du... Bref, que des marques que j'adore pour les enfants. Vraiment, que j'aime énormément. Et autant vous dire qu'ils grandissent tellement vite que la seconde main, c'est la vie. Je ne dis pas que je n'achète jamais neuf, mais j'achète 80% des vêtements des enfants d'occasion. Tout est comme d'habitude, trop bien emballé. C'est parti! Tout est trop bien plié en plus! Je crois que j'ai sélectionné 29 pièces, donc il va y avoir quand même pas mal de choses. Je vais essayer de passer assez vite parce que sinon ça va durer 3 heures. On commence avec ce petit body et blouse accroché de chez Boutchou. Bien trop mignon que j'ai pris en 12 mois pour ma petite Oli. Un jean noir classique de chez Zara pour Léo. Vraiment un classique et c'est ça que j'aime parce que Léo est quand même un petit gab. Donc avec l'élastique à la taille, c'est nickel. Il y a deux poches à l'arrière. Il est tout noir, tout simple. Et franchement, l'état est impeccable. Petit mot juste pour vous dire si vous entendez de l'eau qui coule ou un peu de bruit. C'est David qui prend une douche parce que clairement, il fait une chaleur à crever aujourd'hui. Et en plus de ça, il a une méga, giga, énorme conjonctivite. Il a les yeux qui coulent tout jaune, tout gonflé, tout pas beau. Donc la petite douche, ça va faire du bien. On continue avec ce petit maillot de bain de l'amour. C'est encore Boutchou. Et voilà, un petit maillot de bain Vichy rouge. Et regardez-moi l'arrière, il y a un petit nœud au niveau des bretelles. Là. Mais je trouve ça tellement craquant avec les petits volants et tout. Oh là là, ma choupette, ça va être... Oh, je vais la croquer là-dedans. Un petit top cette fois, encore de chez Boutchou. Décidément, là je ne tire que des Boutchou. Voilà, un petit top à bretelles avec de petites rayures comme ça et deux petits boutons sur l'avant. J'ai essayé de prendre au maximum des choses pour cet été parce que c'est vrai que Oli s'habille essentiellement avec les vêtements de Léo, mais ils sont vraiment nés à des saisons opposées. Oli en plein été, Léo en plein hiver, donc parfois les vêtements de Léo ne matchent pas forcément avec la taille actuelle d'Olivia, etc. Bien qu'ils aient grosso modo le même gab, eh bien en fonction des saisons, voilà, je peux pas tout reprendre. Pour ma petite Oli, un petit short Zara comme ça, à rayures, en espèce de coton assez, vous savez, un petit peu éponge, il est trop mignon. Ici on a un petit legging qui vient de chez Zara again, avec un motif pied de poule, j'adore, avec les deux petits boutons là, c'est vraiment trop chouki. Regardez-moi ça. Je suis fan, hein, je pense que vous l'aurez compris. Pour Oli, un petit sweat noir, tout simple, qui vient également de chez Zara, que j'ai pris en 6-9 mois, parce que Zara, tu coco, si tu commandes pour tes enfants, ça taille tellement grand. Pareil, l'état toujours impeccable, les vêtements sentent bon, ça sent le propre et tout. Ici, on a une magnifique blouse à carreaux avec un petit col Claudine blanc. Vous l'aurez deviné, ça vient de chez Jacadi, avec l'arrière tout boutonné comme ça. Jacadi, c'est tellement la marque que j'adore. Et alors ça, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais je suis obligée de lui prendre. Mais je suis obligée. Un maillot de bain fraise. Est-ce qu'on n'est pas sur le summum de la mignonnerie, là? Franchement, je l'imagine tellement. Ma fille est brune, assez bouboule, avec une petite culotte fraise pour le bain. Enfin, pour l'été dans la piscine. Mais je vais la croquer. Ça vient de chez Boutchou, regardez-moi ça. C'est tellement mignon. Ici, on a une blouse qui semble complètement, complètement, complètement neuve. De chez Eden et Victor, qui est une marque que je ne connaissais pas spécialement, j'avoue. Avec un petit col Claudine et de petites broderies
comme ça sur le col. C'est un petit t-shirt, voilà, ni plus ni moins, mais très très mignon. Toujours de chez Boutchou. Ah oui, ça c'était un ensemble. Et franchement, je crois que ça coûtait rien du tout. Alors, on a un petit short avec de petites broderies en dessous comme ça. Et la petite blouse qui va avec. Voilà, c'est un petit ensemble. Boutchou again. Hein. Ouais, franchement, Monop, ma vie, j'adore. La qualité est toujours au rendez-vous. Et le style est un style que j'aime beaucoup. Attention les gars, j'ai pris du rose. Chose qui est très très rare puisque je suis pas une fan de rose, j'avoue. Et là, je lui ai pris un petit shirt Zara. Tadam, tout simple, très très léger, avec une taille élastique, des petits pompons sur l'avant. Voilà, pour l'été, c'est très très bien. Ensuite, bah alors ça, on est en plein dans mon style que j'aime. Hein. Regardez-moi la beauté de cette robe jacadie. Ouais, vous l'aurez deviné, c'est une jacadie, je suppose. Ça se reconnaît, ça se voit. La matière est juste dingue. Le petit nœud là, le bleu marine en dessous, les boutons à l'arrière. Vraiment, jacadie, c'est la marque que j'aime plus que tout pour ma fille. Enfin, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Un petit short qui vient de chez Zara again. Tout beau comme ça, là, tout fleuri, très très frais et tout. Vraiment, je le trouve magnifique. Pour Léo, je lui ai pris cette petite doudoune pour la mi-saison qui est en 3-4 ans, je crois. Je ne sais même plus. Oui, 3-4 ans. Voilà, c'est une petite doudoune pour la mi-saison. Ça suffit largement pour voilà, le début de l'automne, pour l'automne même, je dirais. Elle est toute blanche et avec un effet un petit peu matelassé comme ça. Donc, voilà, une petite doudoune blanche qui ne restera pas blanche très très longtemps, autant vous dire. Et je crois que tout le reste, c'est pour Olivia. Parce que Léo n'avait franchement pas besoin de grand chose. Un petit haut comme ça pour Oli, toujours de chez Boutchou. Voilà, il est magnifique avec un petit col Claudine en genre de dentelle comme ça. J'aime beaucoup les petits boutons et tout. Il est très élastique dans un coton très très léger. On reste dans les couleurs de la Lulu, hein, le blanc, le beige, voilà. Un petit short de chez Zara encore pour Oli. Il est en genre de maille assez légère, donc parfait pour l'été. Ici c'est un petit legging tout léger, pareil de chez Zara encore, qui est plutôt beige avec de petites fleurs. Je le trouve très très beau et parfait encore en termes d'état, on dirait même pas que c'est de l'occasion, donc c'est nickel. Une nouvelle fois, vous aurez très certainement reconnu la marque de par le col, etc, les motifs, l'aspect. C'est une superbe robe fleurie de chez Jacadi, elle est très très belle et le col Claudine est en fait plein de petits morceaux de tissu comme ça qui ont été détaillés. Je la trouve très très belle, elle n'a pas de manches, elle tombe comme ça, elle est très très légère, elle est magnifique, elle est magnifique dans les tons rouge et bleu comme ça, j'adore. Un autre petit maillot de bain qui cette fois-ci vient de chez Tape à l'œil, ça. Ouais, Tape à l'œil, donc il est rouge, plutôt rose. Il est plutôt rose avec des petits pois blancs et de petits nœuds au niveau des bretelles. Voilà, regardez ça, comment elle va être tellement chouquée dans les maillots de bain. Je vais la croquer, la croquer, la croquer. Je suis amoureuse de ma fille, vous l'aurez compris. Ah ouais, ce short, je l'avais repéré, je l'aimais trop. Un petit short beige avec des pois noirs. Je suis fan à des pois aussi, j'adore ça. D'ailleurs, le maillot de bain juste avant avait des pois. Et le short, cette fois-ci, à nouveau des pois. Son tout premier jean. Oui, le tout premier qui vient de chez Zara. Un jean bleu comme ça. Pareil, élastique à la taille. Je le trouve vraiment trop mignon, vraiment à croquer. Il fait une chaleur monstre et le mec se sèche les cheveux, la barbe, je ne sais quoi, avec le sèche-cheveux. J'ai pas compris. Ensuite, nous avons un petit t-shirt tout blanc, tout simple. Je crois qu'il était vendu 1 ou 2 euros de chez Oh Baby, qui est donc comme ça. Et Oh Baby, c'est vraiment une marque que j'adore. J'avais d'ailleurs collaboré avec eux en début d'année. Et voilà, un petit t-shirt tout simple. Les enfants sont à la sieste, le daron me retourne la baraque comme jaja. Et comme je vous le disais, souvent il y a des articles neufs. Là, cette fois-ci, c'est une blouse Boutchou que j'ai pris pour la mi-saison. Je pense que j'ai pris 18 mois. Et voilà, donc il y a l'étiquette encore. Franchement, pourquoi se priver? Elle est blanche avec un motif de petites fleurs et un petit col Claudine comme ça. J'aime trop, j'adore. Et avec l'étiquette, s'il vous plaît. Donc le truc est complètement neuf. Ici, une petite blouse en genre de gaz. Elle est trop belle de chez Sergent Major. Donc avec un col carré comme ça. Enfin, une surpiqûre carrée comme ça. Avec des petites broderies de petites fleurs. Et ça y est, on envoie le bout. J'arrive au dernier article qui est une robe Jacadi. Again and again. Pour la mi-saison. Une petite robe blanche comme ça à pois. Je la trouve trop belle. Elle est trop chouquie. Franchement, j'adore. Voilà. Et bah écoutez, c'est de très belles emplettes, d'énormes emplettes, je suis trop contente de tout. Tout est en parfait état et pourtant c'est de la seconde main. Donc vraiment, si ce mal-là, eh bien ça vous intéresse, si vous cherchez des vêtements de seconde main qui ont été chouchoutés, cajolés et tout, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site de ce mal-là. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je répète, c'est pas du tout une collaboration pour YouTube ou quoi, vraiment pas, mais je voulais vous le montrer ici parce que j'adore, j'adore, c'est trop, trop canon. Franchement, je suis vraiment contente.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la suite de ce vlog. Aujourd'hui on est lundi et il est 11h22. Je suis en train de boire mon deuxième café en regardant ma petite choupette qui est en train de gambader par terre. Elle a une tenue Vichy rouge. Je la croque. Le week-end s'est bien passé, je ne vous ai pas repris hier parce que hier ma soeur et mon beau-frère sont venus manger et puis alors la chaleur, les orages et tutti quanti, franchement on était au bout du rouleau. Parce que samedi je vous ai pris pour vous montrer le gros colis Smala que j'ai eu la chance de recevoir et ensuite installation de la piscine parce qu'il faisait méga beau, méga chaud, c'était trop cool. D'ailleurs c'était la première piscine pour Oli et autant vous dire qu'elle a kiffé. Donc on a profité au max et le soir on est sorti et on est rentré vers 3h je crois. Donc voilà, week-end fatigant puisque vendredi, on avait eu vendredi soir le meilleur copain de Nounou, son petit frère et mon ami. Donc on a fait plein de choses ce week-end et c'était très cool. Mais qui dit faire plein de choses dit bien accumuler pas mal de fatigue. Nouvelle semaine qui démarre. Je suis en train de regarder, j'ai une belle rose comme ça que David m'a ramené du jardin. Je vais la mettre dans de l'eau pour pas qu'elle fane. Et je voulais vous montrer, j'ai acheté un truc la semaine dernière avec ma soeur et ma mère. Ma soeur cherchait à Pousse. Bah j'ai ma maman qui m'appelle Pousse. Je disais donc, excusez-moi, j'ai eu un petit appel et puis j'ai dû mettre ma petite Oli dans son transat parce que cette demoiselle, le temps que je mette ma petite fleur dans l'eau, que maman m'appelle et tout, et bien elle mange. Enfin, elle mange. Non, elle n'a pas mangé. Fort heureusement, maman est arrivée à temps. Mais les croquettes de cachou et soquettes, on a bien envie de les mettre au bec. Les mettre au bec. Qu'est-ce que je parle vite des fois. Tout ça pour dire que j'ai acheté ceci. Bah, je vais vous retourner, je vais vous montrer. Tadam ! Un planning pour la semaine. C'est un petit tableau comme ça, en ardoise. Donc j'ai également acheté de petits feutres pour écrire dessus. Comme vous pouvez le voir, danse, 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 danse et redanse. J'ai danse tous les jours sauf demain, cette semaine, puisque j'ai mon spectacle de danse qui approche. Bref, tout ça pour dire que c'est un petit tableau ultra pratique qui va bien nous être utile pour tous les rendez-vous de ce style kiné. Enfin voilà, les rendez-vous pour les enfants, les trucs pour la maison et tout. Et du coup, on l'a accroché au-dessus, donc juste là, au niveau à droite du frigo. Et j'en suis très contente. Je l'ai acheté chez La Foire Fouille et franchement, belle surprise, La Foire Fouille, il y avait un milliard de choses. Petit bémol, dans leur magasin, je trouvais que le magasin était vraiment très très chargé. Mais sinon, il y avait vraiment de belles idées déco. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté. Et je ne sais pas si vous pourrez remarquer sur mon nez, juste ici, j'ai une énorme griffure. Merci Soquette qui a voulu sauter à travers la porte d'entrée pour s'enfuir. Je l'ai retenue, elle m'a griffée pour se... pas méchamment, pas du tout dans l'idée de me griffer, mais pour prendre appui en fait sur mon visage, puisque je l'avais dans les bras, avec sa patte arrière. Elle en a qu'une, en plus, il a fallu que comme par hasard, elle arrive à me griffer avec, et elle m'a griffé le nez. Voilà, donc du coup, pendant je pense un petit temps, je vais avoir une petite marque au niveau du nez, comme ça j'ai pas mal saigné, mais bon, ça fait pas mal, hein, mais du coup j'ai une belle trace. Voilà, bon, pour l'heure, je vais aller faire 2-3 courses, ensuite je déj avec mes parents, et je vais, et ensuite je rentre à la maison, parce que j'ai du ménage à faire ici ou là. Et puis ce soir j'ai répète de danse. Donc bon, mon sac est déjà prêt normalement. J'ai déjà été chercher mes collants et tout ce matin. Donc voilà. Mais ouais, petite journée à la cool. Ça y est, me voilà rentrée de chez mes parents. On a bien mangé, il y avait même ma soeur qui était là. Et avant d'aller chez mes parents, je me suis arrêtée en course. Je vais vous montrer mes petites emplettes. Bon, clairement c'est pas le gros plein de courses, hein. J'ai fait juste 2-3 petits trucs qui me manquaient. Il me fallait de l'eau nettoyante pour Oli, du lait en poudre. D'ailleurs nous on le prend toujours en vrac comme ça, parce que je le garde dans une boîte hermétique de chez Twist Shake, ce qui nous permet de payer le lait un peu moins cher quand même. Ça a coupé, je n'avais plus de place sur ma carte. Du riz basmati, une conserve de lait de coco, de la crème pour le visage Nixa, un petit peu de curry, le riz bien trop pratique pour faire les gamelles de dadou parce que c'est déjà portionné en fait en petits sachets, des petits pots pour Oli, des blancs de poulet parce que ce soir c'est poulet coco curry, de la crème fraîche, des petits fromages blancs à la vanille, des yaourts en verre à la vanille, des liégeois pour Léo toujours à la vanille, et pour finir on reste dans la vanille puisque j'ai repris des petits yaourts pour Olivia. Et voilà pour ce retour de course le plus rapide de la terre. Je range tout ça, je vais me mettre à faire le poulet, comme ça ça sera fait. Et puis voilà, ma petite Oli est à la sieste, j'ai déjà bu mon café, j'ai pas mal de choses à ranger, donc je vais lancer le poulet à cuire et tout, je vais ranger ça
Et puis, et ben, ça sera déjà pas mal. Le poulet coco est prêt. J'ai tout mis là. Même le riz est cuit. Comme ça, pour ce soir, on est tranquille. Puisque moi, je vais à la danse. Ma mère prend le relais jusqu'à ce que David rentre du travail. Comme ça, au moins, les enfants et lui auront tout de prêt pour manger ce soir. Et moi aussi, en rentrant de la danse. Le ménage est presque fait. J'ai plus qu'à étendre une lessive. Et puis, à partir chercher mon petit bec. Puisque j'ai ma chouquette qui est réveillée là-bas. Oui, mon amour. Donc voilà, je vais aller chercher mon linge. Je vais étendre la lessive rapidos. Et après, avec mademoiselle Oli, nous allons aller chercher eh bien, le petit bec. Et puis voilà, une journée qui est passée à la vitesse de l'éclair, qui n'est pas encore terminée, hein, puisque ce soir, comme je vous dis, j'ai danse. La journée sans l'abricot pour le moment eh bien, est passée très très vite. Voilà, on va rentrer, prendre le goûter, jouer un peu. Puis après, pour moi, il sera l'heure de partir à la danse. Hello tout le monde, bienvenue dans la suite de ce vlog. Je suis habillée de la même manière que j'ai ouvert ce vlog, je crois. Mais franchement, cette combi qui vient de chez, je sais même plus, Stradivarius, je crois, d'il y a pas mal d'années. Eh bien, je la kiffe, elle est vraiment parfaite. Tu sais, les jours où il fait méga chaud et que t'as envie de te sentir à poil, mais d'être habillée quand même, eh bien, ça, c'est le genre de tenue parfaite. Je vous reprends donc, nature peinture, nous sommes le matin. Il est, je ne sais plus quelle heure, ma Fitbit est juste ici. Est-ce que j'ai de la batterie? Je n'ai plus de batterie. Il est quelque chose comme 10h30. Je suis en train de me préparer, les enfants, enfin, Léo est en train de jouer dans le salon. Oli était en train de jouer, puis elle commençait à être chafouin. Je l'ai mise dans son transat et... s'est endormie. On est donc mercredi et aujourd'hui j'ai une grosse répète de danse puisque c'est le filage de, du spectacle, c'est-à-dire qu'on fait les lumières, qu'on danse en costume sur scène, etc. On fait tous les réglages, les entrées, les sorties, nanana, et tout ça. Et donc j'y vais à... je crois que ça commence à 14h30, donc je vais y être un petit peu avant. Ah bah tiens, j'entends Oli. Et à mon avis je ne vais pas être rentrée avant 21h, peut-être 22h en général, ces heures là, puisque nous les plus vieilles, celles qui peuvent le font sur le cours du spectacle, en fait on reprend tout le spectacle et on fait, mais les plus vieilles, eh bien comme la plupart ne peuvent pas se libérer en journée de par leur travail en fait tout simplement, et eh bien on refait l'ensemble des variations le soir pour dire de le refaire encore une fois tout ensemble. Donc aujourd'hui c'est le plus gros programme de la journée, hein, puisque bah, ce matin il est déjà 10h30 et là on va faire une petite activité fête des pères, bah, pour père d'Adou de la part de Léo. Olivia ne va pas faire un dessin, hein, pas encore, elle n'est pas encore à ce stade, mais voilà, on va faire un petit truc en plastique fou et par la même occasion j'essaierai de vous montrer les petits cadeaux qu'on a acheté, enfin que j'ai acheté mais de la part des enfants, voilà, comme ça ça vous pourra peut-être vous donner des idées, quoique je ne sais même pas quand va sortir ce vlog. Si ça se trouve la fête des pères sera déjà passée, hein, donc je ne sais pas, on verra. Voilà, en tout cas ce matin c'est activité plastique fou. Après on mange, je vais déposer les petits avec mon père pour la sieste, enfin chez mes parents mais il n'y aura que mon père pour la sieste, pour le reste de l'après-midi, et moi je file à la danse donc à 14h. Voilà, donc ça va vite s'enchaîner, on va essayer de faire ça rapidos, et voilà, je suis maquillée plus ou moins, je sais même pas si je vais me mettre du mascara, peut-être quand même pour avoir l'air, parce que j'ai une copine qui est photographe qui prend quelques photos pendant les répètes, et je me dis... franchement, si je me prends photo comme ça, genre tête de cadavre, c'est pas possible. Mais la nuit a été tellement, 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 tellement compliquée que je suis cuite. Bref, je vous montre les trucs qu'on a achetés pour la fête des pères. Bon, je vous montre ça comme ça, mais ne m'en voulez pas, j'ai pas du tout emballé. Je sais même pas si je vais avoir le temps d'emballer cette semaine, c'est vraiment la course. Je lui ai pris une trousse, et moi, avec écrit Papa Cool. Donc j'ai la même où il y a écrit Maman Cool, je crois, que j'ai depuis un petit moment. Mais en fait, lui, il a une trousse de toilette qu'il prend pour le sport, le foot, etc. depuis X années, une Adidas que je ne peux plus me voir en peinture. Et je me suis dit que celle-ci, eh bien, pourrait remplacer l'autre trousse parce que l'autre, je crois qu'elle ferme même plus et tout. Et on lui a pris un whisky japonais. Voilà, parce que Père Dadou est un amateur de whisky. Voilà, il boit. Quand il boit, c'est du whisky et pas autre chose. Et bon, en général, c'est du Jack. Mais là, pour le coup, je me suis dit que ça serait sympa de lui faire tester un whisky qu'il ne connaît pas. Et donc on a pris un whisky japonais. Voilà, donc deux petits cadeaux de la part des enfants. Et de ma part je voulais lui prendre un petit olivier, puisque ça fait des lustres qu'il me parle d'un olivier, qu'il veut un olivier et tout.
et je me dis que je vais peut-être aller lui chercher ça, je verrai, sachant que pour mon père m'a demandé un cactus, donc je me dis quitte à aller dans une genre de pépinière, un truc comme ça, je vais voir si je trouve pas un petit olivier, histoire de dire, juste pour marquer le coup quoi, on verra si, si j'en trouve un, mais sinon il aura déjà ça, plus le fabuleux plastique fou de Léo que je vais mettre en porte-clés je pense. Et il sera déjà gâté, je pense qu'il sera content. Donc voilà. Bon, je vais ranger 2-3 trucs. Je m'attelle à l'activité de mon petit bec pendant que ma petite Oli s'est calmée. Et puis bah après il sera vite l'heure de manger et l'heure de partir. Bon, il fallait également que je vous montre, j'ai reçu un colis ce matin avec 2 choses que j'ai achetées. Alors truc de ouf, j'ai passé ma commande hier dans la matinée, je ne saurais plus vous dire quelle heure, mais dans la matinée. Et j'ai reçu ça ce matin. Ce sont en fait des graines à semer. Une boîte pour la maîtresse, donc, avec des graines de printemps à semer. Et une pour offrir à l'ATSEM de la classe de Léo. Donc là, c'est un petit cadeau comme ça, mais je pense que je leur ajouterai une fleur ou un paquet de chocolat, je sais pas, je verrai. Donc là, j'en ai un qui m'attend avec impatience pour faire le petit coup. T'avais sorti du matériel avec Alalik? Ouais. Pour les tuyaux. Du bureau? Du bureau de la maîtresse? Non, pour aller plus haut. Pour aller plus haut? Pour aller plus haut. T'as l'OK. Pour aller faire du travail. Pour faire du travail? Ouais, plus haut. Ah bon? Bon, Léo ne parle pas encore super méga bien, comme vous pouvez l'entendre, mais j'ai pris l'habitude de décoder, donc j'essaie vachement de reformuler, mais c'est vrai que c'est pas encore ça. On a une ordonnance pour aller chez l'orthophoniste, mais il n'a pas de rendez-vous ortho. Voilà, donc bon, ça viendra, mais Léo, il faut savoir qu'il est rentré avec un an d'avance, donc bon, quelque part, je m'inquiète pas plus que ça. En attendant, nous allons faire, il m'a déjà ouvert le truc, ils appellent ça, j'avais trouvé ça chez la foire fouille, mais ça existe partout, ils appellent ça plastique magique, mais et moi perso j'appelle ça du plastique fou. En gros, on va colorier, peindre, faire quelque chose, enfin oui, peindre à l'acrylique, mais là on va plutôt utiliser des crayons de couleur pour eh bien faire un genre de porte-clés en dur à papa d'Adou pour la fête des pères. Et en fait, vous faites sur papier plastique, vous le mettez au four 2-3 minutes je crois à 150 degrés et ensuite eh bien ça durcit. Donc trop cool. On va faire ça et... Avec non, avec des crayons de couleur, mon cœur, tu vas voir. Après, on va mettre dans le four. Pourquoi dans le four? Pour que ça durcisse. Mais pour que ça soit dur et que ça fasse un porte-clés à papa. Mais hé, Motus et Bouche-cou. Zu, tu le diras à Pépé. Mais Pépé, si tu veux, c'est pas la fête des grands-pères, c'est la fête des papas. Bref, c'est parti pour l'activité et j'entends qu'il y en a une autre qui se réveille. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Bon voilà, on est en pleine création d'un porte-clés main pour la fête des papas sur le plastique fou. Et après, quand c'est la fête des bébés, c'est la fête des bébés. Quand c'est la fête des bébés ou des pépés? Ah mais c'est pas la fête des grands-pères pour l'instant, mon cœur. Mais après, la prochaine fois. La prochaine fois. Et la fête, c'est la fête des mamies. Mamie, d'accord. Alors que je vous montre, ça y est, le plastique fou est terminé, donc ça donne ça. Je vais faire juste un petit trou avant de le cuire ici pour qu'on puisse y passer un anneau pour faire un porte-clés. Là, ça vous paraît grand, hein, c'est plus grand que ma main, mais ça réduit franchement énormément le plastique fou, faut faire attention. Donc Léo a colorié l'intérieur de sa main, il a écrit papa et il a écrit Léo. Et on va faire cuire le tout à 150 degrés 2-3 minutes. Ça va réduire et durcir et ça fera un petit cadeau personnalisé. Quand je vous dis que ça réduit... Tadam! 2 minutes après cuisson, eh bien, nous avons le petit porte-clés. Faudrait que je passe le petit anneau là. Je trouve ça trop mignon. J'aime trop. Ça fait quand même un sacré porte-clés. Mais bon, je me dis que pour, je sais pas, les clés de la voiture ou quoi, ça peut être rigolo. On est jeudi, il est 14h30 exactement. Ce matin, j'ai accompagné ma sœur qui avait besoin de faire un tour chez Primark et d'échanger 2-3 trucs chez H&M. Et autant vous dire que ça faisait des lustres que je n'avais pas été dans les magasins, puisque j'achète beaucoup de seconde main, notamment sur Smala. D'ailleurs, je vous en ai parlé au début de ce vlog-là, j'achète beaucoup de seconde main, donc sur Smala ou bien sur Vinted. Et quasiment plus de vêtements neufs, ou alors vraiment si je ne trouve pas des choses de seconde main qui me conviennent, mais...
j'achète en général en ligne. Et là, bah, j'ai accompagné ma sœur, j'ai vu forcément plein de choses pour les enfants, quelques petits trucs pour moi, mais énormément de choses pour les enfants, et certaines choses, eh bien, m'ont fait craquer. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Il y avait notre maman qui nous a accompagnés, et certains trucs, c'est elle qui a pris certains trucs pour les enfants. Et j'ai adoré ces deux petites combis pour Oli, donc avec deux petits crabes, elles sont blanches, et ici, il y en a une autre à rayures. Et pour l'été, c'est parfait, parce qu'en plus, ça se ferme avec une fermeture, donc en tant que pyjama, que barboteuse, que combi, enfin voilà, à utiliser comme ça, c'est parfait, juste la couche en dessous, c'est très très bien, surtout vu les chaleurs qu'il fait en ce moment. Les deux barboteuses étaient à 12€. Pour Léo, j'ai repris un petit short de bain comme ça, donc rouge orangé, qui était à 4€. Ensuite, j'ai trouvé cette énorme abeille pour Oli, franchement j'ai craqué, je l'ai trouvée trop belle, une petite peluche comme ça avec les petites ailes un petit peu... je sais plus qu'on appelle ça là, qui fait multicolore là, mais voilà, une peluche qui ira parfaitement dans le thème de sa chambre, et autant vous dire qu'elle l'a adorée puisqu'elle ne l'a pas lâchée. Pour moi, j'ai pris un basique, des petites tongs, voilà, je les ai payées 1,30€, 1,30€, franchement, c'est parfait pour aller dans le jardin et tout, j'en avais plus, enfin j'en avais, mais cette demoiselle qui est juste devant moi, c'est-à-dire Soquette, s'est amusée à me les mordiller again and again, et donc elle ressemble plus à rien, donc j'en ai repris une paire. Pour Oli, j'ai pris deux pyjamas comme ça pour la rentrée, donc quand l'été, vraiment les chaleurs de l'été seront passées, je les ai pris en 12-18, toujours sur le thème des petites abeilles, je les trouve trop trop chou. Ils se ferment avec une fermeture, donc c'est nickel, et de l'autre côté vous en avez un beige avec les petites abeilles là, et un écru avec plein de petites abeilles, donc parfait pour le thème de la chambre d'Oli. Encore vraiment son animal totem, je sais même pas si on peut dire ça comme ça, c'est les abeilles. Léo c'était les renards, Oli c'est les abeilles. Pour moi, j'ai pris un petit débardeur tout simple comme ça, vous savez, juste avec les petits fils en tant que bretelles, et je l'ai payé 4€, je crois. L'ensemble de pyjama lui était à 12€, et ce petit débardeur donc que j'ai pris en taille XS, et eh bien je l'ai payé 4€. Pour Oli, je lui ai pris deux paquets de 3 body blancs à manches courtes basiques. Vous le savez, je recycle énormément, voire quasiment tous les vêtements de Léo pour Olivia, mais les body, certains de Léo étaient quand même très très abîmés, certains avec des trous, d'autres avec des taches, donc j'en ai repris 6, ça sera largement suffisant, et j'ai pris en 6-9 parce que Primark ça taille quand même assez grand. Pour moi, j'étais trop contente de trouver ça, je me suis pris 3 brassières comme ça. Depuis l'allaitement, j'ai perdu toute ma poitrine, vraiment elle est inexistante, elle a pris ses cliquets, ses claques, et elle s'est barrée, et je la retrouve plus depuis que j'ai arrêté d'allaiter. Et d'ailleurs je porte ce genre de brassière aujourd'hui, c'est vraiment hyper pratique. Et donc là c'était un trio qui était vendu je ne sais plus combien, j'ai plus le prix, mais il me semble que c'était 12€, et vous en avez un noir, un gris et un blanc, et c'est parfait, j'ai pris ça en XS. Au rayon des enfants, mais pour moi, je me suis pris un petit short que je vais utiliser en guise de pyjama, j'ai pris en 12-13 ans, puisque du coco, la Lulu toute petite, toute rikiki, toute voilà, et je l'ai payé 3,50€, un petit short rose bonbon. Pour Léo, alors sachant que j'ai pris pour nous, juste après je vous montrerai, je lui ai pris une serviette de plage. Nous n'avions pas de serviette de piscine de plage depuis X années, on a les mêmes, et on a celles qu'on avait vraiment quand nous on était enfants, donc les trucs vraiment ils sont pourris de chez pourris, ils sont tout rêches. Et pour Léo, j'en avais pas une particulière, donc là je lui en ai pris une rouge orangée, voilà, il n'y a pas de motif particulier dessus. Je l'ai payé 6€ celle-ci, parce que les serviettes ça coûte quand même très très cher je trouve, mais celle-ci est de très bonne qualité, donc je suis ravie. Pour ma petite Oli, pour l'hiver prochain, automne-hiver prochain, je lui ai pris une gigoteuse comme ça, toujours sur le thème des abeilles, j'étais ravie de trouver cette collection là. C'est une gigoteuse donc assez chaude, sans manches, avec eh bien un motif, enfin une couleur écrue et des petites abeilles encore une fois. Je l'ai pris en 12-18 parce qu'il n'y avait pas plus grand, mais ça suffira largement parce que c'est 86 cm et elle en est loin, donc je suppose qu'après l'été ça lui ira parfaitement. Alors je les trouve horribles, mais j'en avais besoin, je cherchais des tongs pour Léo à la base, et là j'ai trouvé des genres de crocs, ça fera parfaitement l'affaire pour aller jouer dans le jardin, pour les mettre rapidement quand on descend à la piscine et tout. Et du coup je lui ai pris une petite paire de crocs comme ça, voilà, bleu avec des étoiles et des genres de petites rayures sur la lanière. C'est vraiment pas le style que je préfère, mais je les ai payés 4€,
et ça fera l'été, c'est très bien. J'en avais d'ailleurs cherché sur Vinted, mais elles étaient vendues genre 6 ou 7 euros avec les frais de port et la protection vendeur et tout, acheteur, enfin je sais plus quoi. Ça me revenait entre 10 et 12 euros, je me suis dit non c'est mort, franchement pour juste enfiler les pieds et descendre à la piscine, j'ai pas envie de mettre ce prix là, et là 4 euros ça me va très bien. Pareil dans l'idée, j'ai longtemps cherché des petites baskets pour Léo pour jouer au foot et tout, là j'ai trouvé celle-ci parce que les siennes sont dans un état pitoyable. Et voilà, j'ai pris celle-ci, elles étaient vendues 9 euros je crois, c'est des petites baskets blanches, ni plus ni moins. Le deuxième paquet de petits body blancs pour Oli. D'ailleurs je crois que je vous ai pas dit le prix, mais les trois body étaient à 4,50€ et j'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Et enfin je vais terminer avec ça, j'ai l'autre qui est dans le sac encore. Voici les serviettes de plage que je nous ai pris. Ce sont des serviettes qui sont hyper épaisses et vraiment de très bonne facture. J'ai kiffé, elles sont de très très bonne qualité je trouve. Je les ai payées 12€ pièce, mais elles sont immenses. Elles font 1m par 1m80, donc c'est très très bien. Elles sont très grandes, hyper agréables. Et je nous ai pris à Dadou et moi les deux mêmes, donc rouge et blanche en mode où est Charlie. Mais voilà, en plus on s'accordera à celle de Léo qui est rouge orangé. Ça sera parfait, ça fait de bonnes serviettes de plage pour la piscine, pour la mer, pour tout ça. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas, donc il était peut-être temps que j'en achète. Voilà pour ce qui est de Primark, j'ai pas mal acheté, c'était pas du tout prévu, mais je suis contente de mes petits achats. Pour ce qui est de H&M, j'ai pas trouvé grand chose, si ce n'est un lot de boxers, et attention, pas n'importe quel lot de boxers, un lot de boxers avec des motifs tractopelle, camion, etc. Je l'avais déjà repéré sur le site, enfin sur l'appli, mais il n'y avait plus la taille de Léo de dispo, et là en magasin, bim, je tombe dessus dans un rayon, il n'y avait même plus d'étiquette, il n'y avait plus rien, et c'est la bonne taille et tout ça, donc voilà, un petit lot de 5 boxers. Très très bien, et alors je sais qu'il va être ravi parce que vraiment les tractopelles, les camions, etc., c'est tellement son goal, c'est tellement son kiff en ce moment que je sais qu'il sera très content, et je l'ai payé 15€ le lot. Voilà pour ce qui est de mes emplettes. Je vais, je pense, clôturer le vlog maintenant parce que ce soir j'ai encore répète de danse. Hier j'ai eu répète, je suis rentrée vers 21h je crois, quelque chose comme ça, manger, doucher et au dodo, et je réenchaîne ce soir à partir de 17h30, 18h jusqu'à relativement tard. Donc je préfère clôturer le vlog maintenant, comme ça, ça me laissera le temps de pouvoir le monter demain. J'espère avoir le temps de le monter. J'espère que ce petit vlog où je vous ai emmené avec moi pendant cette petite semaine vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite, surtout dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.